Dites-moi si jamais ça grésille ou quoi que ce soit, parce que j'ai eu des problèmes un peu plus tôt, mais normalement c'est bon. Ok. Alors j'ai changé quelques trucs par rapport à hier. Pas grand-chose. Je me suis repris déjà une pierre de résurrection, comme ça on est tranquille. Parce que j'en avais plus. Et j'ai trouvé ça jamais utilisé. Non. Non, ça. Apparemment, ça draine. Ça drain. Ça récupère de la vie à chaque fois qu'on tape. C'est pas mal. Et ça dure à peu près 12 secondes. C'est pas mal. Donc, ouais, on va utiliser ça si on a besoin de récupérer de la vie. Son est bon, tout est bon. Ouais, let's go alors. On va récupérer un peu de. Allez, sérieux ça? Content de t'avoir rendu service. Fous-moi la paix. Fous-moi la paix. Ça gueule dans mon casque. J'ai remarqué que le rat en fait, il apparaît où est-ce qu'on regarde. C'est-à-dire que c'est comme si on avait le curseur en fait. Donc si je vise là et que je demande au rat de venir, il va apparaître et il va creuser un trou et trouver des choses juste là. Donc c'est bon à savoir parce qu'à chaque fois je savais pas où il apparaissait. Enfin bref, let's go. On est concentré. Eh merde. On va recommencer ça. On va recommencer tout ça. Alors si je vise là. Ratatot! Tu m'as appelé pour ça. Ah c'est ça. Vous êtes vraiment. Oh, je pourrais viser là et faire apparaître les pierres. Ah si jamais je meurs, on teste. Toujours cette attaque. Alors, si je fais ça. Est-ce qu'il va aussi loin? T'as rien, chouchoute. Non, il va pas aussi loin. Okay. Et voilà, t'as rien, Fedora. Sois prêt.
Merde. Ah. On recommence. J'ai pas envie d'utiliser une pierre, pas encore. J'arrive tout de suite. Toujours cette attaque, hein, toujours cette même attaque. Alors, fais voir un peu. Ratatos ! Tu n'as vraiment aucun respect pour moi ? Content de t'avoir rendu service. C'était trop loin. Merde. Oh, pas encore, non. Qu'est-ce qu'elle le spam hein. Yeah.
prêt. Ça veut rien. Je vais passer tout mon stream dessus, ouais. S'il le faut. Ratatouille ! Tu n'as vraiment pas d'autres amis ? J'ai pas d'amis, moi. Ça te dirait d'utiliser ta hache ? Bloqué contre un mur, comment tu me l'esquives ? C'est merde, je suis bloqué. J'ai trouvé une Valkyrie pire, elle aim. Elle te fait 5 vaillades d'affilée, parfois 1, parfois 3, trop irrégulier. Oh, super. Ah, mais cette attaque, elle est horrible. Hein. Le chien chinois est mieux pour le moment. C'est pour aider pour vous êtes deux branques. L'événement. Ah, pourquoi ? Non, elle aurait pas dû me toucher là, sérieux, elle aurait pas dû m'accrocher. Qu'est-ce que c'est que casse-croûte ? Merde.
prends la rune qui ralentit le temps. Ouais, je pensais à la prendre aussi. Je pensais à l'utiliser, parce que je l'ai en plus. Ça, le talisman. Ça peut peut-être aider. On va voir. Celui qu'il faut déclencher. Ouais, mais ça remet du temps. Ça met énormément de temps à revenir, non? Non, mais c'est celui-là qu'il faut. C'est pas celui-là à déclencher. Ah oui, non, c'est celui-là à déclencher. J'ai un. Ouais, non, je me gourre. Exact. Merde. Ah voilà. C'est celui-là. On va voir. Ratatos. Oh, allez, sérieux ça. Hypostim, c'est pour l'événement là, pour acheter des trucs. Profiteur. Pas pour crafter des trucs, je crois. Je l'ai loupé. Oh non, c'est bon. Là, je pouvais rien faire. Je sais pas si ça va vraiment aider, on va voir. Sois prudent, frère.
C'était merde. Je fais de la merde. Ça m'a déjà fatigué. Je suis classé 104 000 actifs. Waouh, pas mal, Orion. Tiens-toi prêt. Oh merde. Non. J'étais contre le mur. J'avais le dos au mur. Oh la vache. Ah ouais, non, mais là, ça m'a tout... Ah, mais ça m'a faussé, là. Hein. Ça m'a complètement faussé, hein, le ralenti. Ils ont eu de la chance. Non. On n'avait pas besoin de ça. C'est dans le craft. Je crois. Il faut les plans par contre. Ouais, je sais pas si ça m'aide vraiment hein, le.
À la limite, on va tester celui-là qui le ralentit à quand je veux. Tu n'as vraiment aucun respect pour moi. Pop, 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 pop. Merde. Valhalla. Valhalla. Si je l'entends encore une fois ce mot, je vais péter un câble. Je vais péter un câble. Est-ce que j'ai un truc contre les Valkyries? T'as rien, chouchoute. Eh, les boucliers, c'est pour les chiens. Les boucliers, c'est pour les chiens. Je suis prêt.
tellement mal placé. Non ! Comment ? Sérieux quoi ? Feu de partout, c'est horrible. Absolument, madame. Vous êtes libre. Vous avez détruit ma forme charnelle. Je n'ai rien à vous offrir que ma gratitude. Ah, va te faire foutre. C'est tout ce qu'il nous fallait. La gratitude ne paie pas l'entretien des armes, Atreus. Le Valhalla m'attend. Au revoir. Une seule attaque.
une seule attaque qui est chiante, c'est le Valhalla. C'est tout. Le reste, c'est... ça va. Le reste, c'est simple. C'est que cette attaque. Incroyable. Gantelet de Zeus, une armure forgée à l'image de celle du roi des dieux grecs. Quelle que soit la raison de leur état, elles sont folles de rage. Comment tu sais ? Léviathan plus, si dégagé par le lancer de hache. Valkyrie plus. Okay. Pouh, on va regarder ce qu'il y a dans les coffres, après on regarde l'armure. Oh, bah des perles de colère. Ah bah ça. Qui l'aurait cru? La voix est impressionnée. Elle dit que si on est capable de vaincre une Valkyrie, elle peut débloquer une nouvelle série de défis. Oui, alors ça plus tard. C'est plus tard. Alors... non, armure. Ah mais je les ai équipés sans faire exprès. Une armure forgée à l'image de celle du roi des dieux grecs, le don une malédiction. Faut voir un peu. Augmente considérablement les attaques normales de Kratos, mais également les dégâts qu'il reçoit. Les deux effets sont renforcés par le nombre de pièces de l'armure de Zeus portée. Force, rune, défense. Okay. Donc en gros, bref, oui. Très simple en tout cas. On pourrait même la mettre, elle est déjà niveau 8, elle a 3 emplacements. Sympathique. Après, on a eu des pierres. Je crois que c'est des pierres rouges. Voilà. Dégâts infligés, tous les lancers de hache. Force, c'est pas mal. Ouais. Ah oui, et la Valkyrie aussi. Valkyrie plus faible chance de réinitialiser instant. Ah et ça c'est bien toutes les attaques de chaque animation attaque runique. Ça c'est ce que j'utilisais, c'est pour ça que j'utilisais la Valkyrie moi. C'est exactement les mêmes stats? Ah non, c'est exactement les mêmes stats au maximum. Celle-là, elle est au maximum. Fais voir un peu... on va avoir plus de défense, sûrement. Un peu de runes. On va avoir plus de force. Vitalité en moins. Parce que ça va sûrement monter jusqu'à 15, pas plus. On va perdre beaucoup de chance par contre. Et on va avoir de la récupération. Ouais, bof. Faudra avoir peut-être le set complet. Je crois que toutes les épées sont revenues. Ouais, on verra ça. On va se casser d'ici. Au fait, ton chien vit tout le combat, tout seul. Ah, mais je sais pas s'il peut tuer le truc. Hein. Je sais qu'il va pas mourir, mais je sais pas s'il peut le tuer. En 150 000 tours, peut-être. Je mettrai ma Dark Fina si tu veux après. Sera plus facile. Elle peut solo tout le... elle peut solo l'event. Je voudrais bien voir les armures du feu, en fait. Il n'y a pas des armures de feu. Dites-moi ce que vous avez trouvé.
On pourrait augmenter en fait. Il l'a tué en 25 tours. Ouais, quand même. Pas mal. 63, 20, 69, 3 plus. Ouais, rune. Et 2, on passe à 8. Ouais, je sais pas. Faudrait voir quand on aura le set complet, je pense. Parce que pour l'instant, ça n'a pas l'air top top, quoi. Ah, je suis même pas mort pour la Valkyrie. Parce que j'ai bien esquivé. Je suis même pas mort. Alors, magma incandescent plus. Enflammé qui brûle les ennemis et protège l'interruption des cas d'attaque. Équipé l'arme complète augmente les chances. Ouais, c'est ça que je voudrais. Ça serait pas mal. Ou la tire plus. La tire plus, elle est top hein, niveau stats. Vraiment top. On gagne de tout quoi. On gagne tout simplement tout. Bref, allez. Bon, la prochaine fois. On va autre part. Un truc qu'on pourrait faire, enfin on va pas le faire maintenant parce que sinon je vais passer mon temps à regarder l'inventaire et j'ai pas envie. Ce qu'on pourrait faire c'est commencer à forger des enchantements uniques. Ah merde, faut retourner au... Faut retourner à Midgar. On peut essayer de forger des enchantements uniques. On peut faire ça. Eh merde. On a pas mal de pierres de colère de côté. Ça peut être utile. Genre les enchantements parfaits, comme ils les appellent. Celui-là du vagabond, par exemple, peut être sympa. Faut retourner à Midgar. On peut pas, ouais. On va faire les quêtes à Midgar. Salut Diabolito au passage. Désolé, j'étais un peu occupé avec, avec la Valkyrie. Regardez l'équipement, tout ça. Mais j'ai pas fait attention. Objectif. Conseil des Valkyries, non. On va aller aux mines. Atreus, suis-moi. J'arrive tout de suite. Parce que là, on peut faire les mines, là. Des nains. Sans être interrompu. Mais je sais pas par où passer. On va suivre l'indicateur bleu. Par là-bas. Bah, apparemment, c'est par là-bas. Connais-tu la légende de Skoll et Ahti? À qui l'on doit le jour et la nuit? Ah oui, les loups géants. Ah, c'est ça. Oui, ils sont nés du grand loup Rosvitnir, l'ennemi juré des dieux Az. Odin les captura alors qu'ils étaient petits et les enferma dans les chenilles d'Asgard afin de tenir son adversaire à distance. Cependant, quand par défi le soleil et la lune cessèrent de tourner, Odin mit Skoll et Ahti à contribution. Grâce à sa magie ancestrale, il envoya les loups dans les cieux où ils se mirent en chasse. Leur course durera longtemps, mais pas éternellement, car il est prédit que Skoll et Ahti dévoreront un jour leur proie. Ce jour sera celui du Ragnarok, le crépuscule. Mais... Nous reprendrons plus tard. Il va s'en passer des choses hein, pendant le Ragnarok. Hein.
Il va s'en passer beaucoup des choses. Tada. Tiens, tiens, regardez qui a décidé de se pointer. Hey, parle à cet anneau. Quoi? J'entends pas les pensées des anneaux, Brock. Il me parle! C'est Anvari! Ah, je le savais. Il dit qu'il est allé dans les mines de Volun pour... contempler son erreur. Mais le dévoreur d'âme l'a attaqué, alors pendant qu'il se faisait déchiqueter, il a jeté un sort pour transférer son âme à l'intérieur de cet anneau. Et ensuite, il... Que sont devenus ces outils? Quoi? Anvari avait un atelier ici, rempli de babioles sophistiquées et d'outils... On va aller les chercher. C'est bon, entrez. Tant pis pour la tranquillité. On n'a pas récupéré l'anneau encore. Je crois que c'est quand on finit cette quête.